Bonjour, je suis Charles Vardou, je suis quintuple champion du monde de parcours et de compact sporting. Je suis également responsable des 5 shooting clubs de France. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo le tir d'un plateau gauche-droite rasant traversin, assez rapide, mais rasant environ 1 mètre, 1 mètre 50 de haut. Les plateaux traversins, il est très important d'analyser cette trajectoire pour pouvoir déterminer la bonne fenêtre de tir où le plateau est le plus vulnérable et où vous avez le plus de chances de le casser. Pour cela, regardez et analysez bien la trajectoire. N'hésitez pas à vous aider en suivant le plateau avec le bras gauche quand l'arbitre vous montre le plateau, de bien contrôler avec votre bras gauche et de bien suivre le plateau. Cela va vous donner et vous permettre d'avoir un bon accompagnement au niveau du geste et après pour pouvoir le répéter au niveau du tir. Une fois que vous avez déterminé la fenêtre de tir, l'endroit où il est le plus vulnérable, très important de mettre son pied gauche dans la direction. Une fois que vous avez mis le pied gauche dans la direction, vous resserrez vos canons de 2/3, il va rester un tiers entre vos canons et vous voyez le plateau le plus tôt possible. Mettre le canon à la hauteur où passe le plateau. Très important. Pas le mettre plus haut, pas plus bas, le mettre à la hauteur où passe le plateau. Vous commandez votre plateau. Vu que le plateau est rapide, pareil, dès que vous le voyez, vous épaulez pour que vous soyez épaulé une fois que le plateau arrive à vos canons. Ça va vous permettre de ne pas perdre de temps et d'être directement avec lui. Une fois que vous êtes épaulé, vous suivez votre geste et vous accélérez, vous mettez le swing avec une bonne rotation au niveau de vos épaules et de vos bassins pour mettre l'avance qu'il se doit pour casser le plateau. Donc, je répète, je détermine la fenêtre de tir, je resserre de 2/3, il reste un tiers entre mes canons et où je vois le plateau le plus tôt possible. Je mets les canons à la hauteur du plateau, je commande le plateau, je vois le plateau, j'épaule, je suis pour avoir sa vitesse, sa trajectoire, et dans le mouvement, j'accélère avec une bonne rotation au niveau des épaules et du bassin pour pouvoir avoir un bon swing. Nous allons maintenant aller sur le pas de tir pour pouvoir mettre en pratique tout ce que je vous ai expliqué. Donc là, nous allons tirer un plateau traversard, gauche-droite, rasant, à une distance environ 25-30 mètres. Donc sur les plateaux traversards, également, bien respecter sa fenêtre de tir que vous vous êtes déterminée. Essayez d'avoir un repère visuel. Là, par conséquent, vous allez voir, vous avez un fond avec de la végétation, donc il est facile de repérer et de bien analyser sa fenêtre de tir. Pour cela, après, vous mettez bien votre pied gauche à l'endroit où vous allez tirer votre plateau. Toujours l'attaque des canons à 2/3, 1/3. Donc 2/3 par rapport à ma fenêtre de tir, je resserre et il reste 1/3 entre mes canons et où je vois le plateau le plus tôt possible. Et bien évidemment, mettre les canons à la hauteur où passe le plateau. Pour cela également, étant donné que c'est un plateau qui est également rasant, il est très important d'avoir le poids sur la jambe gauche pour avoir les épaules en avant et bien coller votre joue. Donc maintenant, nous allons passer à la pratique. On va regarder la trajectoire du plateau, qui est donc gauche-droite, poule, je le vois. La fenêtre de tir, elle se situe environ devant moi. C'est là où le plateau, il est le plus vulnérable. Il commence à bien s'ouvrir un petit peu, on voit un petit peu plus le dessus, et il commence à freiner dans sa trajectoire. Donc bien mettre son pied gauche dans la trajectoire, à laquelle je vais le casser. Je ferme mon fusil à l'endroit où je vais casser le plateau pour que mon cerveau analyse et ait un repère visuel. Je resserre de 2/3 mes canons. Je mets bien mes canons à la hauteur où passe le plateau et je mets bien le poids sur la jambe gauche pour avoir les épaules en avant et bien coller ma joue. Je dis poule, je vois le plateau, j'épaule, je suis et j'accélère. L'accélération, l'avance se fait avec une rotation des épaules et du bassin. Ce n'est pas que le bras gauche qui emmène le fusil vers la droite, c'est tout le haut de votre corps qui pivote. À travers ça également, il est très important de bien le suivre quelques mètres pour avoir sa vitesse et sa trajectoire. Donc nous allons maintenant regarder et analyser la trajectoire du plateau. Donc gauche-droite, pôle, je le vois, je le suis, je le dépasse, j'appuie. Comme vous pouvez le constater, on va le regarder une autre fois à vide, la trajectoire où la fenêtre de tir où il est le plus facile et le plus vulnérable, c'est quand il est devant moi, c'est là où il est à plat, il n'est pas montant, il n'est pas plongeant, et il commence à s'ouvrir légèrement sur le dessus. On va regarder une dernière fois. Pôle, à cet endroit-là, avant sa descente, avant qu'il entame sa descente, il est à plat et il commence à monter légèrement le dessus. Donc nous allons maintenant le faire à vide. Ma fenêtre de tir est devant moi, je mets bien le pied gauche en trajectoire à laquelle je vais tirer. J'ai le repère visuel en mettant le canon. Je resserre de 2/3, je mets les canons à la hauteur où passe le plateau. Pôle. Je suis, je dépasse, j'appuie. Je vois le plateau. Une fois qu'il arrive à mes canons, je suis épaulé pour pouvoir le suivre, avoir sa vitesse, sa trajectoire. Et quand il arrive à cette fenêtre de tir qui est devant moi, j'accélère avec une rotation du bassin et des épaules. On va le faire
avec des cartouches. Donc, même préparation, le pied gauche, le repère des canons, deux tiers, un tiers, les canons à la hauteur où passe le plateau. Paul. Paul. Donc il est très important, le plateau est assez rapide, qu'une fois que vous voyez le plateau, vous soyez épaulé quand il arrive à vos canons. Que le plateau est rapide. Donc je vois le plateau, j'épaule pour que vous soyez épaulé une fois qu'il arrive à vos canons. Vous le suivez quelques mètres et vous accélérez bien avec la rotation du bassin et des épaules pour mettre la bonne avance. N'oubliez pas sur ce genre de plateau rasant de bien mettre votre poids sur la jambe gauche. Paul. 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 Nous avons pu constater, en faisant la pratique, qu'il est très important de respecter la fenêtre de tir. De bien mettre son pied gauche dans la direction à laquelle vous allez tirer, et surtout, ce qui est primordial, c'est d'avoir la bonne attaque des canons. Donc toujours mettre l'attaque de ces canons à la hauteur où passe le plateau, et deux tiers, un tiers. Ça marche sur 99% des plateaux traversards. Vous respectez votre fenêtre de tir, vous resserrez deux tiers, et il vous reste un tiers entre vos canons et où vous voyez le plateau le plus tôt possible. Étant donné que c'est un plateau qui était vraiment relativement assez rasant, n'oubliez pas de bien mettre le poids sur la jambe gauche pour avoir les épaules en avant, pour avoir plus de facilité pour coller votre joue. C'est très important. Épaulez comme il faut, décomposez bien votre geste, ne vous précipitez pas. Vous voyez votre cible, vous épaulez et après vous partez avec lui. Ne partez pas devant le plateau en épaulant. L'erreur que l'on fait souvent sur un plateau rapide et rasant, au moment où on voit le plateau, en épaulant, on va devant le plateau. Non, j'épaule au plateau. Une fois qu'il l'avait au plateau, je suis épaulé et vous accélérez dans votre geste pour mettre la bonne avance. Pour passer une bonne journée au ball trap, cela passe par le respect des consignes de sécurité. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.